Coucou les amis, moi c'est Flo, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo avec mon assistant qui est là, qui s'en va, au black. C'est un tour de magie que vous allez pouvoir reproduire avec vos parents, d'accord? Donc pour ça, il vous faut un jeu de cartes traditionnel avec 54 cartes, mais vous allez en avoir besoin que de 21. Donc ça, il faut le préparer, il faut préparer 21 cartes, donc je vous compte 1, 2, 3, 4. 21. Pour ce tour de magie, je vais demander à mon chien, donc à mon assistant, Black. Viens Black, choisis une carte. Tu veux laquelle? Tu veux celle-là? Celle-là? Oui? Celle-là on prend? Non, celle-là. Vas-y, prends celle-là. Vas-y. Super, il a choisi celle-là. Donc vous la voyez. La regardez. Hop. Ok, tout le monde la voit. Sabine, tu la vois? Oui. Super, regardez. Hop, on la met devant la bougie. Mon chien, tu te rappelles, c'est bien cette carte là? Oui, c'est cette carte là. Si c'est cette carte là, comment la battre? Ah, faut que je la retienne. Oui, faut que je la retienne. Super. De toute façon, la caméra, il doit. C'est pas grave. Donc, je la remets où je veux dans le paquet, d'accord? Donc, je la mets au milieu. Je peux mélanger. Donc, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire 3 tas. Avec mes cartes, d'accord? Je vais les retourner. Donc, 1. Hop. Et cette opération, je vais la faire 3 fois. D'accord? Ok. Maintenant, Sabine, dis-moi dans quel tas est la carte sans me montrer la carte. Celui-ci? Tu es sûr? Hop! 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 On le refait encore 2 fois. Et à chaque fois, vous allez demander à vos parents de choisir le tas où il y a la carte. Ok, Sabine, dans quel tas est la carte? Sans me montrer la carte, juste le tas. Celui-ci? Tu es sûr? Oui. Toi, tu nous aides pas beaucoup, hein? Quelqu'un qui choisit une carte, hein? Et on refait ça une dernière fois. Hop là, Céline, s'il te plaît. Quel tas est la carte? Celui-là. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre face cachée toutes les cartes. Ok. Alors, Sabine, je vais te demander de choisir un tas entre ces 3 là. Tu me montres un tas, tu ne prends pas, tu n'enlèves pas, juste tu choisis un tas, tu me montres avec le doigt le tas que tu choisis. Celui-là, je vais te demander de choisir 2 cartes, de me montrer 2 cartes. Je vais te demander de me choisir encore 2 cartes. Demander de me choisir encore 2 cartes. Ok, je te demande de retourner cette carte. Tu me dis si c'est bien la carte. Tu es prête? 1, prête. 2, 3. Est-ce que c'est bien cette carte? Oui, c'est cette carte en black. C'est cette carte. Si c'est cette carte, donne-moi la patte. Ouais, ouais. C'est cette carte. Donc, 21 cartes. Dites-vous que à chaque fois que vous faites vos 3 tas, donc ces tas-là, hop, hop,
Donc à chaque fois que vous faites ces trois tas, à chaque fois qu'on vous montre le tas, ce tas-là, vous le mettez au milieu. Donc, par exemple, cette carte, on va dire que c'est le roi de cœur. D'accord ? Le roi de cœur, vous le voyez, il est là. Donc vous prenez le tas, le premier tas, d'accord ? Donc celui-là ou celui-là, c'est comme vous voulez. Et surtout, le tas qu'il y a, où il y a la carte, il faut le mettre au milieu. D'accord ? Et ça, vous faites ça trois fois. Donc quand vous faites ça trois fois, on refait. Là, le roi de cœur est là, donc qu'est-ce que je fais? Je prends soit ce tas-là, je le prends, je mets le tas où il y a la carte au milieu, hop, et je le refais une dernière fois. Hop, regardez, là, il est là, donc je prends ce tas, le tas où il y a ma carte, je le mets au milieu. Et ici. Et vous verrez qu'en ayant fait ces trois tas-là, trois fois, vous verrez que votre carte se placera en 11e position. Donc c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous ferez ces trois tas-là et que vous mettrez le tas où il y a la carte au milieu entre les deux tas, vous verrez que votre carte arrivera en 11e position. Donc après, quand vous faites vos rosaces, vous faites 1, 1, vous comptez dans votre tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et après, vous placez votre autre tas, et ça, c'est juste pour l'esthétique. Donc après, ce que vous allez demander, c'est de faire choisir, donc de choisir un tas. Pas de prendre ni d'enlever, mais de choisir. Parce que c'est vous qui allez mener celui qui a choisi la carte à la carte. D'accord ? Donc par exemple, Sabine avait choisi ce tas-là, donc on enlève ces deux tas. Ok ? On lui demande de choisir deux cartes. Hop, s'ils choisissent tout ce qui n'est pas votre carte, vous les enlevez. S'ils choisissent votre carte, vous enlevez le reste. Et après, vous faites retourner. Et vous avez amené la personne à la carte. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches. N'hésitez pas à le refaire. N'hésitez pas à le refaire. Et surtout, je vous souhaite bon confinement. Bisous mes amours, je reviendrai vers vous pour d'autres tours de magie. Et surtout d'autres vidéos avec d'autres activités. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne après-midi.